Salut, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur le Smash parce qu'on me l'a demandé, parce qu'on m'a dit que c'était une arme broken, parce qu'on a plein de préjugés sur cette arme qui est totalement l'arme la plus forte du jeu. Alors on va expliquer ça tout de suite, on va tirer jusqu'à l'autre bout de la map pour voir quels sont les patterns. Je l'ai mis évidemment sur l'écran, les patterns, et donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors quand on tire, on voit bien que tous les hits sont aléatoires, même si certains vont dire oui. En fait, les munitions, c'est pas vraiment du aléatoire, mais il se peut, ça c'était vraiment jamais prouvé, que ça va plutôt 4 fois sur chaque point, et puis après, ça, enfin, ça va d'abord, ça va aller 4 fois sur les points, et puis après, t'as des random points un peu bizarres qui vont sur n'importe lesquels. En fait, c'est du full random, même pour ceux qui ont essayé de chercher des choses, voilà. Ça donc le smash il tire très bien. Bon, tout un truc que tout le monde sait, c'est quand tu fais clic droit, ça push. Voilà, c'est comme le plasma sword. Et donc, si vous voulez push quelqu'un qui saute, vous devez faire la même chose que la plasma sword. Comme ça sera sur un autre tuto avec quelqu'un comme Moussa qui connaît très bien toutes les armes de mêlée, n'est-ce pas, Moussa? Ouais, Voilà, sûr. donc on y était. Alors maintenant, on a vu cette arme est totalement random. On va recharger. Vous voyez, j'ai mes FPS en haut qui sont d'un autre programme, donc les FPS jaunes. En haut à gauche de mon écran, qui sont d'un autre programme, et il se passe quelque chose de magique quand vous les mettez à 50 FPS. Et donc voilà, je vais activer mon autre programme. On va attendre qu'on redescende à 50 FPS, mais c'est mon programme. Et là, je vais commencer à tirer, et en fait, je ne touche qu'un hitpoint. Et là, je touche en effet pendant 50 balles. Je vais toucher le hitpoint du haut à droite. Donc, tu viens d'avoir une aim parfaite, bien joué. Donc là, tu continues. Donc là, on a au hasard. On pète le truc de l'autre côté, Ah ouais, ça c'est voilà. pas mal en Alors fait. c'est pas mal, c'est Big Bug. Donc si jamais vous rencontrez des gens qui vous touchent un peu trop au Smash, qui font trop les malins avec vous, c'est juste des cheaters. Je veux dire, les mecs jouent avec leur FPS. Juste, donc il suffit d'avoir 50 FPS sans la synchronisation du vertical, et ça marche tout de suite. Moi j'ai le programme un peu court, donc par exemple je vais remettre à 50, hein, donc bien vous prouver que ça marche. Donc on attend que ça descende à 50, je commence à tirer, et puis là tout est au milieu, tout est au milieu les gens, tout est au milieu. Je vais 50 balles pile au milieu, et il y a encore des gens qui vont vous dire ah oui, le smash est pas broken, le smash ne doit pas être banni du F5, le smash ne doit pas être banni de n'importe quelle compétition peine, parce que ben voilà, on s'est push avec et c'est trop fort quoi. Et pourquoi ça tire tout droit pour moi aussi? J'ai rien fait moi en fait. Comment ça tire pas tout droit, fou? Ah bon? Ah bah je m'amène Regarde, alors. moi ça tire parfait quoi. Moi ça tire pile au milieu à 50 FPS. Ouais, Ok. Moussa, c'est pas grave, tu regarderas sur la vidéo, tu comprendras mes vidéos vite. Donc pour tous ceux qui ont vu, voilà. Donc si vous faites comme moi, s'il vous plaît, maintenant, une fois que vous avez vu cette vidéo, votez non à tous les users Smash. À chaque fois que vous voyez quelqu'un qui use Smash à part moi, parce que moi vous savez que j'utilise pas cette technique vu que vous me voyez de stream avec mes FPS normal. Chaque fois que vous avez des doutes, dites à ces gens que c'est des hackers, des cheaters, n'importe Ben qui. Et voilà. donc tous les gens comme Story et des trucs comme ça, dites-leur d'arrêter d'utiliser leur petit logiciel pour les bloquer à 50. Et voilà, parce que ces gens sont perdus quand ils n'ont pas de Smash et qu'ils tirent pas full au milieu, quoi. Ouais. C'est embêtant pour eux. Je veux dire, voilà, ils ont pas d'aim mais ils assument pas, c'est chiant quoi. Ben, il y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, ce bug. Ouais, y a pas beaucoup de gens qui. Mais maintenant c'est fini, je veux dire, vous connaissez, donc on refait encore une fois, hein, juste pour le fun, hein. Allez, 50 FPS, on tire, pourquoi pas. Allez, ça a été une fois, deux fois, trois fois sur le côté, allez, y a eu un petit bug quelque part, il faut pas se foutre de ma gueule, c'est tout le reste des munitions. Donc on a eu trois munitions qui étaient en haut, on va dire ça comme ça, et tous les autres ont été en haut à gauche, donc voilà, c'est vachement rentable, ce truc à 50 FPS. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, et donc. Si vous êtes toujours choqué du Smash, si vous n'avez pas compris pourquoi ça a été autorisé au F5 par exemple, et ben maintenant vous ne la savez toujours pas, mais cette arme devrait être bannie de toutes les compétitions, de n'importe quoi de toute façon. Une arme buggée, c'est une arme buggée, c'est une arme pas bien. N'est-ce pas, Moussa? C'est mal, c'est mal. C'est mal, il faut pas jouer avec Mal. les armes buggées, c'est pas bien. Au revoir tout le monde, et on est avec Ah. Moussa, Moussa qui est donc chez Solidarity, qui est Ouais. Swordeur, et qui maintenant va jouer Smash avec Oui, 50 bah. FPS pour Maintenant je enfin. suis gunner, hein. Maintenant je suis gunner. Pour enfin tirer dessus. Bon, Au revoir tout le au monde revoir. et à Au bientôt. revoir.